Bonsoir, voici un nouveau numéro de Rock en Stock, celui qu'on vous avait promis depuis longtemps. Nous avons été légèrement interrompus par quelques incidents techniques absolument indépendants de notre volonté, mais voici quand même, pour de bon cette fois-ci, Soft Machine et Kevin Ayers avec son nouveau groupe Décadence. Tous les deux passés par Paris. Alors, nous avons profité d'un de ces concerts, et pour être précis, pour être exact, à la faculté de Nanterre, pour vous montrer Kevin Ayers et son groupe, et ses nouveaux musiciens, avec des morceaux dont certains sont très anciens, vous allez le voir tout à l'heure, et puis la nouvelle formation de Soft Machine. Nous avons aussi organisé une petite rencontre entre Mike Rutledge, un des fondateurs de Soft Machine, qui est le seul qui reste dans le groupe actuel, et Kevin Ayers, qui lui a donc son propre orchestre. Il y a quelque temps, d'ailleurs, à Rock en Stock, vous avez pu voir un autre membre, un autre ancien membre de Soft Machine, qui lui a un nouveau groupe, qui a eu le temps encore entre temps de disparaître, puisqu'il s'agissait de Matching Mole avec Robert Wyatt. Il ne reste plus que Gong, qu'on va peut-être vous montrer un jour prochain. En attendant, Kevin Ayers, vous allez le voir, dans un morceau qui avait été meilleur disque pop de la semaine au Pop Club il y a quelques temps, quelques mois déjà. Morceau qui s'appelle Stranger in Blue Suede Shoes. Et puis ensuite, Soft Machine, et nous retrouverons ensuite, pour finir cette émission, Kevin Ayers. L'étranger aux chaussures de daim bleu, Kevin Ayers et Décadence. Cigarette, he took a long drag.
Tous les deux partis il y a 4 ans d'un groupe qui s'appelait Soft Machine. Maintenant il n'y a plus que Mike dans ce groupe. Kevin a fait son propre orchestre, il en a même fait plusieurs. Celui qui est maintenant et qu'on vient de voir dans Rock and Stock, eh bien on ne sait même pas encore tout à fait son nom. Est-ce qu'il y a un nom aujourd'hui pour cet orchestre, Kevin? Oui, il s'appelle Décadence. C'est peut-être moins cérébral maintenant, la musique, c'est plus de l'accord, c'est plus en bas de le cul, si tu veux. Et des fois ça monte et des fois ça tombe. Ouais. Et Mike, de l'autre côté, dans Soft Machine, il n'y a plus de chansons maintenant. Non, c'est vrai, mais il a changé beaucoup. Vous avez dit que nous sommes élancés plus vers le jazz et des choses comme ça, mais ça c'était plus vrai hier qu'aujourd'hui, parce que avec les nouveaux membres, Carl et John. Mais qui sont ces musiciens? John Marshall. John Marshall, qui est le batteur. Qui a beaucoup d'expérience dans le rock and roll avec Jack Bruce et tout, des choses comme ça. Et Carl écrit des très bonnes chansons, pop, tu sais. Et il s'intéresse beaucoup. Alors, ça a changé beaucoup. C'est moins. Il n'y a plus d'influence sur cette machine maintenant, je crois. Et c'est plus varié qu'autrefois. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a peut-être dans ces musiques, enfin dans les musiques de Soft Machine, un petit retour, non pas aux sources, mais une boucle qui s'est un petit peu bouclée? Oui, c'est une retourne au sens que la première orchestre était, les individus étaient très différents. Oui, alors, ils étaient suffisamment forts pour que pratiquement chaque membre de l'orchestre du début, maintenant, sont sa propre formation. Oui. Puisque David Allen a Gong, puisque oui. Kevin Ayers la décadence, oui. Et puisque il y a maintenant oui. Soft Machine je qui continue. Je peux dire quelque chose? Oui. Je trouvais que le premier orchestre de Soft Machine, ça marchait surtout parce que chacun avait une voix, tu sais. Alors par exemple, Mike, il a joué avec nous, tu sais, mais il n'était pas tellement branché de ça ce qu'on faisait à le temps. C'est vrai ou pas? Je trouve, mais alors il fallait qu'il joue dans le moyen avec Robert et moi. Et nous, on faisait des choses assez simples, tu sais, comme rythmique. Alors il fallait qu'il trouve des choses qui marchent avec ça ce qu'on fait. Et maintenant, c'est plus qu'il trouve des gens qui jouent plus qu'il veut. Maintenant, il doit partir dans sa propre piste. Oui, est-ce qu'on peut dire que Soft Machine est maintenant l'orchestre de Mike Rutledge? Non, avec non, pas du tout. Je crois que l'orchestre est très bien quand il y a 4 gens très forts et ils ont chacun l'idée de ce qu'ils veulent faire. Mais c'est terrible quand il y a une seule personne oui. qui dirige vraiment tout l'orchestre. Oui, c'est peut-être moins de troubles. Moins de problèmes, mais moins de musique. Problèmes, oui, mais moins de musique aussi.
Et après cet inédit de Soft Machine, nous allons retrouver Kevin pour un morceau qui a une double raison d'être là.
D'abord parce que c'est une de ses compositions, et aussi parce que c'est un des premiers morceaux qu'il a créé pour le premier groupe, pour le premier Soft Machine, et qu'il continue à jouer depuis des années, qui est toujours aussi étonnant, aussi étrange, aussi décadent, comme s'appelle maintenant son nouveau groupe. Le morceau c'est Why Are We Sleeping? Kevin Ayers et Décadent, c'est ainsi que va se terminer Rock en Stock. Hello, 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 vocal mic, hello, vocal mic, hello, 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 that's all right there. Hello, yes. It begins with a blessing, but it ends with a curse. Making life easy by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak. As he speaks from his sleep. And wine.
customers dancing, are just marking time. You can turn to your partner and say, well, how does it seem? She'd look at you and say, see you.